Merci à Julia Cagé d'avoir euh, dégagé un pan de son agenda. Ça fait euh, un mois et demi qu'on cherche euh, à, à vous accueillir, mais euh, je, je, je suis euh, très très heureux euh, au nom de la Commission de, de le faire. Vous nous aviez donné votre accord immédiatement, mais vous êtes quelqu'un qui avait un, un vrai agenda et euh, et, euh, et tant mieux. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir euh, puisque euh, euh, nous travaillons, comme vous le savez, sur euh, les questions d'information, ce n'est pas votre dernier ouvrage, votre dernière production qui nous intéresse, même si elle peut nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est surtout votre travail d'économiste autour des questions de la presse, autour des questions d'information, autour de ce bien public, comme vous l'appelez, euh, qu'il faut sauver, comme vous le dites dans un autre livre. Ça pose les choses. Nous avons entendu différents universitaires avec différentes approches. Madame Sonac vous a précédé dans cette commission, par exemple. Je sais le respect qu'il y a entre vous, mais aussi, aussi les différences d'approche. Et cette commission du Conseil économique, social et environnemental a l'habitude d'entendre des points de vue différents pour se faire son point de vue, pour éclairer sa réflexion sur cette question des, de l'information et dans le cadre des, des États généraux. Je ne vais pas. Aller plus loin pour ne pas prendre plus de temps, parce que nous avons déjà échangé un peu, je vous ai donné quelques éléments du cadre. Juste préciser que la commission devant vous représente 16 des 19 groupes qui composent le Conseil économique et social et environnemental, que vous connaissez, donc je ne vais pas le, le présenter. Vous précisez que Vincent Moisselin à ma gauche et Thierry Cadard à la gauche de Vincent sont les deux rapporteurs que nous avons désignés, élus, choisis, tirés au sort Non. Choisi pour porter ce travail qui est très important aux yeux de la Commission. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons suspendu un chantier en cours que Bernadette Groison porte sur les questions d'éducation, sujet très important. Mais nous avons fait le choix collectif de suspendre nos travaux pendant trois mois afin de produire cet avis. Vous avez un agenda très chargé, je l'ai dit, et nous avons promis de vous libérer à 10 heures. Donc je vous propose que nous attaquions dès maintenant. Pour les collègues, nous ferons notre mécanique, cuisine habituelle, les excusés, tous les excusés sont excusés, les absents, les PV à valider, on fera tout ça après pour profiter au maximum de nos invités. Et pour commencer par Julia Cagé, à qui je vais céder la parole. On vous a posé quatre questions. L'habitude est d'attendre que chacun les respecte, mais chacun est libre. Donc, je sais vous serez vous évader de, de ce cadre si vous le souhaitez. La première question euh, était sur l'état des lieux que vous dressez euh, du monde des médias euh, et pourquoi euh, vous le qualifiez d'une situation en danger euh, en termes de démocratie. La deuxième question concernait euh, euh, la défiance euh, qui progresse à l'égard des médias traditionnels et quelles en sont euh, les raisons, voire les solutions. La troisième question concernant le financement des médias, euh, les spécificités que vous pourriez proposer ou les modèles que vous pourriez euh, proposer. Et puis enfin, une dernière question euh, traditionnelle, les trois préconisations que vous pourriez euh, faire. Alors on ne reprend jamais les préconisations d'Extinso, euh, bien sûr, d'autant plus qu'on a 12 invités, donc ça fait beaucoup de préconisations. Euh, mais euh, par contre, c'est assez éclairant euh, de voir ce que euh, les invités euh, donnent comme priorité. Trois, c'est beaucoup et pas beaucoup. Euh, mais euh, c'est un élément que nous voulons prendre en compte. Je vous propose euh, 20-25 minutes d'intervention et puis ensuite surtout un dialogue euh, avec les collègues dans la salle euh, qui se présenteront quand ils poseront des questions et puis avec les collègues en, en distanciel qui nous ont rejoints. Je vous précise que la sténotypie enregistre l'ensemble de vos propos, bien sûr, et qu'il y a un enregistrement, comme je le vous disais tout à l'heure, de la journée qui sera certainement valorisé en, en communication sur le site Internet sous forme d'un film reprenant l'ensemble des, des éléments. Madame Cagé, merci encore de votre présence. Votre café, votre verre d'eau arrive, euh, mais la buvette de cette maison est loin. Eh <laughs> bien voilà, voyez-vous il est trop parfait. C'est au moment où on parle de, du café qu'il arrive. On va juste le laisser le déposer pour pas que ça vous dérange pendant votre intervention. Et si vous souhaitez. Euh... Merci beaucoup. Euh, merci pour votre temps euh, et votre attention euh, aujourd'hui. Alors par rapport aux, aux différentes questions, si je prends la, la, la première question sur l'état des lieux euh, actuels du, du secteur des médias... Euh, je dirais que ce secteur des médias aujourd'hui, il est en crise. Euh, il est en crise de nombreux points de vue. Euh, il y a une crise de confiance, mais ça, je vais revenir sur le sur le pour, pour la seconde pour la seconde question. Euh, il y a une crise économique euh, qui est plurielle et assez importante, euh, mais qui provient du, du du fait que tout ce qui a fait euh, pendant des décennies le modèle économique euh, des médias est, est aujourd'hui euh, attaqué ou affaibli. Euh, D'une part, euh, bah, le fait de s'abonner ou d'acheter un, un média, la propension à payer. Euh, est de plus en plus faible et elle le sera encore davantage chez les, chez les plus jeunes générations. Et c'est vrai que si vous avez eu un certain nombre de médias qui ont réussi leur tournant numérique au cours des, des dernières années avec l'introduction d'un mur payant, quand vous regardez toutes les enquêtes aujourd'hui, vous avez environ moins de 10% des Français qui sont prêts à payer pour un média. Et quand vous regardez combien ils sont prêts à dépenser, on tourne autour de 9-10 euros, ce qui sont des sommes extrêmement faibles. Donc on a un problème de, 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 de revenus qui provient de, de l'abonnement, de la vente des médias. Euh, ça serait moins un problème si on avait des revenus publicitaires, sauf qu'on a également un effondrement euh, du, marché, euh, du marché publicitaire. Alors ce n'est pas un effondrement du marché publicitaire en soi, notamment parce qu'on a un marché publicitaire sur le digital euh, qui est extrêmement euh, important, mais il n'est pas... Euh, il ne bénéficie pas à la plupart des médias euh, traditionnels. Il est capté, pour le dire très rapidement, mais on y reviendra euh, par un petit nombre d'acteurs qu'on appelle les, euh, les GAFAM. Donc si vous reprenez les, les recettes publicitaires des médias traditionnels, et là je parle surtout de, de l'écrit, enfin l'écrit papier, l'écrit en ligne. Je mets un peu la, la, la télévision de, de côté qui s'en sort plutôt mieux euh, que, que l'écrit, mais ce, ce marché publicitaire est aujourd'hui euh, affaibli. Euh, ce à quoi il faut quand même ajouter absolument toutes les conséquences de ce qu'on a avec la, la, les, les nouveaux moyens de diffusion de l'information sur Internet, notamment le fait que l'information se diffuse extrêmement rapidement, ce qui donne lieu à beaucoup de, de copier-coller notamment, euh, ce qui interroge les incitations finalement des médias à, à investir et à produire de l'information de qualité, et de l'information originale. Euh, donc vous avez des médias qui sont affaiblis, qui ont, en plus ont subi plusieurs crises euh, conjoncturelles, en plus de, de, de la tendance structurelle. Euh, il y a eu la grande crise économique en 2007-2008, ils en sont sortis. Euh, ensuite, vous avez eu la, 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 la crise de la Covid qui a. Quand même conduit à un effondrement du, euh, du marché publicitaire euh, légèrement durable euh, et en plus à un effondrement du tissu des kiosques en France qui se portait déjà pas extrêmement bien. Euh, et, et ils en sont sortis pour un certain nombre d'entre eux, euh, quand même pas mal avec des PGE euh, qui aujourd'hui se retournent un peu contre les médias, euh, ce qui fait partie aussi de l'affaiblissement euh, actuel. Euh, et ensuite, vous avez la guerre en Ukraine. Alors, bon, on va pas la prendre uniquement du point de vue des médias, mais pour ce qui nous intéresse ici, notamment en termes d'explosion du, du coût du papier et de ralentissement à nouveau du marché publicitaire, reprennent un choc conjoncturel, ce qui fait qu'en fait même les médias qui avaient sorti, qui étaient sortis de la grande crise qu'on pourrait dater autour de, de 2010 et qui étaient sortis du, du Covid un peu redressés d'un point de vue économique avec aussi un intérêt renouvelé euh, pour 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 l'information se retrouvent aujourd'hui euh, fragilisés. Vous avez très peu de médias euh, traditionnels entre guillemets papier ou sur internet qui s'en sortent bien économiquement. Tout ça euh, explique aussi pourquoi on a une troisième crise en plus de la crise économique et de la crise de, de confiance euh, qui est un problème de concentration dans le secteur des, des médias, donc ça c'est un des points de désaccord qu'on a régulièrement avec Nathalie Sonac. Euh, mais ça, ça dépend comment vous mesurez la concentration dans le secteur des, des, des médias, il ne faut pas du tout avoir cette, de regarder la concentration dans le secteur des médias par le nombre d'acteurs, euh, mais par les parts de marché euh, que, que, dont bénéficient ces, ces différents acteurs et c'est vrai que c'est un, un peu un une des choses qui peut sembler relativement inattendue avec, avec Internet, mais il se trouve que le marché des médias est davantage concentré finalement euh, dans le monde en ligne, si vous regardez les audiences sur le site de la CPM, des principaux sites d'information, qu'il l'était hors ligne. Euh, et ça, c'est vraiment dû euh, au mécanisme d'acquisition de l'information, notamment le fait qu'en ligne, les gens bah, vont très peu directement sur le site de tel ou tel média, mais pas soit par des réseaux sociaux, soit par des agrégateurs, qui ont tendance à mettre en haut de leurs recommandations les contenus qui sont déjà les plus populaires donc en fait ça, ça donne finalement une espèce de prime euh, à la popularité ce qui fait qu'en termes de part de marché en fait en haut de, 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 de la distribution vous avez plutôt eu une concentration croissante du secteur malgré la démultiplication euh, du nombre des, des, des acteurs mais ça ensuite j'y reviendrai pour les conclusions ce à quoi il faut, euh, il faut rajouter le, le fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à définir ce qu'est un marché, ça s'est vu autour des discussions sur TF1, M6 euh, par exemple, on a du mal à définir ce, 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 ce qu'est un marché Et il faudrait de, de plus en plus réfléchir euh, autour de ce que l'économiste, par exemple André Aprat, a appelé, mais ça a été repris ensuite par l'Ofcom au Royaume-Uni, et y compris par l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni, ce qu'on appelle des parts d'intention. C'est-à-dire pas simplement regarder les parts de marché, mais regarder qui... Consomme quel type de médias, il y a combien d'informations euh, plurielles et diverses chaque citoyen est, euh, est exposé. Euh, et puis la, la dernière dimension de cette crise, c'est quand même une crise d'indépendance. Euh, J'y reviendrai, mais je pense que voilà vous l'avez tous suivi dans, dans, dans l'actualité. Euh, le, le, le dernier. Euh, porté à l'indépendance des, des rédactions en France, ayant été ce qui s'est passé cet été euh, au Journal du Dimanche euh, avec, euh, avec Vincent Bolloré, mais c'est une illustration euh, parmi de, de, de nombreux coups portés à l'indépendance des médias au cours des dernières années, euh, ce qui montre bien que, les, en tout cas, la réglementation euh, existante est, est insuffisante. Alors pourquoi ça met en danger la, la démocratie ben, Il y a plusieurs dimensions. Euh, la première, et je pense qu'il ne faut quand même pas la négliger, hein, c'est qu'on sait depuis des années, et ça a été extrêmement bien documenté en, en sciences sociales, euh, que le, le fait d'être bien informé, euh, ça favorise la participation politique. Là où quand les gens sont mal informés ou peu informés, ils votent beaucoup moins. Et quand vous regardez aujourd'hui les taux d'abstention, ah, ben, c'est une des raisons de, de nous préoccuper, notamment quand on regarde aussi la propension des plus jeunes à consommer de l'information. Regardez l'abstention des plus jeunes, on peut quand même vouloir faire un lien. Euh, entre ces deux aspects. Et puis, quand même, et ça c'est lié à l'indépendance, il y a une repolitisation du paysage médiatique assez forte. Alors, ça, ça a toujours été le cas sur le papier, mais notamment parce que pour le papier, on a toujours pensé que ce qu'on pourrait appeler le. Le pluralisme externe était suffisant, c'est-à-dire il suffit d'avoir suffisamment de titres et suffisamment de concurrence, ce qui permet d'avoir des, 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 des titres qui sont marqués politiquement, parce que le pluralisme est assuré par l'offre de titres, mais ça se joue aussi sur, sur l'audiovisuel, et là il y a tout un enjeu de pluralisme. Interne et de pluralisme des contenus et de la manière dont on garantit euh, ce pluralisme des contenus. Et, de, et, et du coup, ça pose aussi des questions actuelles de, de, de régulation de l'ARCOM et notamment la manière dont l'ARCOM mesure euh, le, 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 le pluralisme des, des contenus diffusés sur, sur les différentes euh, chaînes. Or, on sait, et ça on le sait au moins depuis les, les premières études du début des années 2000 qui ont été faites par Stefano Della Vigna, Ethan euh, et Kaplan, d'autres euh, aux États-Unis autour de Fox News, euh, qui, qui a quand même un, un, un pouvoir euh, de, de conviction de la par des, 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 des chaînes d'information. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, si vous êtes davantage marqué à droite, vous allez regarder davantage Fox News ou davantage c news ce n'est pas simplement une offre éditoriale euh, qui correspond aux préférences politiques des citoyens, c'est cette offre éditoriale qui peut influencer directement les préférences politiques des citoyens, donc l'utilisation finalement des médias à des fins de ce qu'on pourrait appeler de, de propagande politique, et ça, pareil, ça pose un, un danger pour pour la démocratie. Là, on voyait plutôt les médias, notamment les, les règles de pluralisme euh, interne de l'audiovisuel public, comme une façon de, de préserver euh, cette fonction euh, informative et éclairante euh, des, euh, des différents euh, des différents médias. Du coup, sur la sur la défiance, euh, je, vais, je vais aller vite sur, le, sur les raisons, parce qu'en fait, le, la première et principale raison, ça reste quand même le, le, le manque d'indépendance. Hein. Ça, on le voit vraiment assez clairement euh, dans les sondages qui sont faits chaque année maintenant depuis 20 ans ou 25 ans. Euh, pour la Croix, quand vous interrogez les citoyens sur les raisons de la méfiance une des raisons principales c'est toujours de dire que les journalistes ne sont pas indépendants par rapport d'une part aux puissances de l'argent et par rapport d'autre part aux femmes et aux hommes politiques donc c'est assez intéressant d'essayer de comprendre pourquoi en fait vous avez cette réponse qui revient sans cesse et c'est vrai que quand on voit bah, ce qui s'est passé au journal du dimanche mais on pourrait prendre d'autres exemples, bah, ça alimente en fait ce, ce, ce discours sur, euh, sur le manque d'indépendance et puis c'est aussi quand même lié à la structure actionnariale à, à, actuelle des médias, euh, le fait alors ça c'est le résumé qui en est souvent fait, on peut, on, on, on peut essayer de la d'autant que maintenant il y, a, il y a de nouveaux acteurs euh, qui sont rentrés dans le secteur mais le fait qu'une poignée de milliardaires euh, possède ce qu'on appelle la majorité des médias alors là, pas la majorité des médias en termes de nombre, euh, c'est une question de mesure de part de marché. Euh, mais ça, ça, ça vient interroger aussi l'indépendance du, du, du point de vue euh, des citoyens. Ça ne veut pas dire que tous ces actionnaires, et là, je ne vais pas les prendre un par un pour faire une liste des bons et des mauvais, euh, ça ne veut pas dire que tous ces actionnaires, parce qu'ils sont étrangers au secteur des médias, sont de mauvais actionnaires ou s'en servent comme outil soit politique, soit à des fins d'influence économique, de pouvoir, etc. Euh, mais en tout cas, ça, ça, ça crée finalement une relation telle que les citoyens, s'interroge sur l'indépendance des, des, euh, des différentes rédactions. Et je pense, mais on va y revenir sur la question du, du financement, que cette méfiance envers les médias a, pas été, euh, enfin, a aussi souffert euh, au cours des dernières années de, de, de la suppression de ce qu'on appelle la redevance, donc de la contribution à l'audiovisuel public, et de la façon dont c'est venu interroger euh, bah, justement l'indépendance à venir euh, de l'audiovisuel public si on tombe sur un système de budgétisation de de son financement. Euh, j'avais proposé, mais on en remonte à, à ma jeunesse, à quelque chose que j'avais appelé la société de médias à but non lucratif. Je vais revenir ensuite sur les propositions plus concrètes que j'ai poussées au cours des dernières années, mais je pense qu'il y avait deux aspects intéressants dans, dans ce que j'appelais la société de médias à but non lucratif. Euh, le premier volet, c'est vraiment l'aspect à but non lucratif, c'est-à-dire sortir les médias de la pure logique de marché, euh, ce qui recoupe assez bien le, le premier point sur la problématique économique. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a des médias qui ont vocation à perdre de l'argent mais on n'aura plus jamais des taux de rentabilité dans le secteur des médias comme on a pu en avoir historiquement. Encore une fois, je mets entre parenthèses le cas particulier des chaînes de télé. Si vous prenez le taux de, 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 de rentabilité de M6, ça serait faire bondir beaucoup d'investisseurs. Mais pour la plupart des médias, voilà, vous avez des médias qui essaient d'avoir un équilibre économique. Et c'est vrai que les sortir de la pure logique de marché, ça permet d'assurer le, le, le fait bah, de c'est-à-dire de, de vouloir maximiser la qualité de, de l'information produite euh, plutôt que de vouloir en retirer des, des rendements économiques. Et on voit que dans les cas où on est vraiment dans une logique de marché, euh, ce qu'ils se voit avec un groupe comme ReWorld Media, il y a eu tout ce qui s'est passé autour de Sciences et Vie, euh, bah, le fait que les équipes sont ensuite passées pour pas, parties pour Epsilon, euh, le fait que ReWorld, dans une logique de marché, c'est un groupe qui est coté en bourse, a racheté des médias, les a vidés de leur rédaction, à remplacer les journalistes par ce qu'ils appellent des... Euh, Content Manager, je le dis en anglais volontairement, parce que Reward ne parle qu'en anglais, même sur le marché français, euh, bah ça, 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 vraiment, ça, ça tue en fait des, des titres et des journaux. Donc l'aspect non lucratif, de ce point de vue-là, il est extrêmement important et il prend quand même de plus en plus d'importance dans le paysage médiatique français, avec le fonds de dotation, pour commencer, de, de Mediapart, ensuite celui de Libération, euh, le fonds pour une presse libre euh, au monde, mais ce qui m'amène à une deuxième dimension, il n'y a pas que l'aspect euh, fondation but non lucratif, il y a vraiment l'aspect gouvernance. Et le fait d'avoir une fondation, ça ne résout pas du tout la question de la gouvernance en termes d'indépendance. Il faut avoir une fondation où vous avez une structure et une écriture des statuts de la fondation telle que euh, bah, le, le pouvoir reste exactement entre les mêmes mains euh, que dans le cas où vous avez une société par action euh, avec un actionnaire euh, unique. Donc la question, c'est comment on garantit une gouvernance plus démocratique Ça, j'y reviendrai dans les, euh, dans, les, dans, dans les propositions. Mais ce que je pense euh, de, de manière importante euh, aujourd'hui. Quand j'écrivais sauver les médias et, et, et je défendais le modèle de société de médias non lucratif, je, je croyais profondément, et enfin, je continue à le croire d'ailleurs, qu'il faudrait un actionnaire plus multiple, un actionnariat plus multiple des médias. Euh, et d'ailleurs, il y a des choses qui vont de, de ce point de vue-là dans le bon sens. Quand vous regardez toutes les campagnes de financement participatif qui sont faites euh, à l'occasion soit de crises euh, pour certains médias, soit de, de création de nouveaux médias, en général, ça remporte un succès public. Euh, mais suc ce succès public par rapport aux sommes en jeu euh, pour des médias qui sont des euh, grands médias, euh, par exemple des grands médias nationaux, bon, prenez un journal comme Le Monde, si je ne me trompe pas, ils doivent dégager pas, 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 pas loin de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Voilà, vous n'aurez jamais un modèle à but non lucratif qui vous permettra d'avoir un actionnariat euh, pour, pour investir dans un média qui dégage un million d'euros par jour, d'autant que, et ça c'est quand même le second frein qui est beaucoup plus embêtant, parce que pu, euh, ce à quoi j'ai pu être confronté avec des plus petits médias euh, qui étaient dans des situations de crise, euh, d'autant que les actionnaires euh, en place ne sont pas toujours prêts à ouvrir le capital. Donc, en fait, la question, c'est quelles règles vous allez mettre en œuvre euh, pour imposer, entre guillemets, une gouvernance démocratique à des médias avec une structure euh, actionnariale existante. Et c'est là où je pense qu'on peut utiliser à la fois euh, la question de l'attribution des, euh, des fréquences audiovisuelles euh, et des euh, conventions qui sont faites entre l'ARCOM et les éditeurs, mais je reviendrai dans les, dans les solutions, et puis que la question des, des aides à la presse. Euh, sur, le, sur le financement des, euh, des, des médias, alors, bah, je, je vais m'arrêter quand même un, un instant sur, euh, sur l'audiovisuel public euh, et la suppression de. De la, bon, on va dire de la redevance euh, la, la redevance elle était imparfaite, donc il y avait des raisons de, de la remettre en, en cause et la, la solution ça sera jamais de revenir au système de, de, de la redevance euh, elle était imparfaite pour plusieurs raisons, on peut au moins en citer deux euh, elle était imparfaite parce qu'elle rattachait euh, cette contribution à l'audiovisuel public au fait d'avoir une télévision de ce point de vue là elle était plus du tout euh, associée aux pratiques actuelles euh, de consommation du contenu audiovisuel vous avez des gens qui le regardent sur la télé et puis d'autres sur leur smartphone et puis d'autres sur leur tablette euh, donc en fait le fait de rattacher ça à la, à la télé en soi euh, c'était quelque chose qui était complètement euh, bah, dépassé en fait du point de vue de la réalité des, des comportements et d'ailleurs vous avez beaucoup de pays qui ont réformé ça différemment l'Italie avant nous, l'Allemagne etc au moins en l'élargissant à l'ensemble des écrans moi je pense que vu l'importance des contenu produit par l'audiovisuel public faudrait l'élargir à, à, à l'ensemble des citoyens euh, et puis la deuxième limite de, de, de la redevance telle qu'elle existait euh, c'était qu'elle était injuste d'un point de vue fiscal c'est-à-dire qu'elle pesait, à quelques exceptions près, elle pesait du même montant sur l'ensemble des citoyens, ce qui la rendait difficilement acceptable. Donc il y avait une espèce de double injustice, c'est-à-dire que vous aviez beaucoup de gens qui étaient persuadés que leurs voisins fraudaient à leur redevance, cest une télévision, et ne cochaient pas sa case sur sa déclaration d'impôt, ou plutôt la décocher, parce qu'elle était cochée automatiquement. Euh, et puis ensuite, cette idée de bah, pourquoi je vais payer 138 euros si j'ai un très faible revenu, là où d'autres vont payer aussi 138 euros avec un revenu beaucoup plus important. C'est vrai qu'en général, on a quand même inventé l'impôt progressif euh, pour, de, pour de bonnes raisons. Euh, et du coup, il y, avait, il y avait des raisons fondamentales de la réformer. Je pense qu'on l'a mal réformée. Alors, on ne sait pas vraiment en fait ce qu'on a fait là, ce qu'on a fait aujourd'hui. On est sur une fraction de TVA. A priori, avec la réforme des, des, des lois de finances qui va entrer en vigueur en 2024, on ne sait même pas si on va pouvoir conserver cette fraction de TVA euh, pour. Euh, euh, financer l'audiovisuel public. Mais de toute façon, la manière dont ça a été écrit avec euh, la fraction de TVA, c'est euh, quasiment l'équivalent de la budgétisation, euh, puisque la fraction n'est pas définie. Limite, si on avait une fraction arrêtée du montant de la TVA, bon, bah, ça aurait pu être quelque chose vu comme euh, euh, une manière automatique euh, de financer euh, l'audiovisuel, un peu comme la CAP finalement, puisque la CAP, il y avait la question est-ce que vous l'indexez, est-ce que vous l'indexez pas. Normalement, c'était indexé automatiquement, mais on revenait régulièrement là-dessus en, en, en PLF. Bon, bah, sur la fraction de TVA, à partir du moment où elle n'est pas définie, c'est de la budgétisation. Et si y a de la budgétisation, il bah, y a toutes les problématiques qui vont avec, et notamment bah, de, 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 de ce que ça va pouvoir créer comme frein mis à l'indépendance de, de l'audiovisuel. Moi, je pense qu'il faudrait aller vers l'équivalent d'une contribution à l'audiovisuel public, mais étendue à l'ensemble des citoyens et rendue progressive vraiment sur les modèles de ce qui a été fait en Norvège, en Suède et en Finlande au cours des dernières années. Ils ont réformé leur, leur redevance en 2019, 2020, 2021, respectivement, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu ça... Alors, ça, ça varie en fonction de ces trois pays. Il y a, il y a, il y a, il y a des pays où c'est un pourcentage qui va augmenter en fonction des, des revenus. Il y a des pays où c'est un montant qui va augmenter en fonction du revenu. Mais en fait, ils ont rendu ça juste d'un point de vue fiscal. et On a fait une note l'an dernier avec la Fondation Jean Jaurès. D'ailleurs, on décrit ces ces différents modèles euh, comme préférable à ce qui a été fait en, en, en France. Euh, sur les GAFAM, on pourrait en parler pendant très longtemps. Sur les GAFAM, on a quand même allé plutôt dans la bonne direction, il faut bien le dire, avec la retranscription en droit français euh, de, de la directive européenne sur le droit voisin. Euh, donc, ça, c'est quand même une, une bonne chose, un peu cette idée que, bah oui, les GAFAM utilisent des contenus euh, qu'ils ne euh, contribuent pas euh, à produire euh, et qu'ils vont monétiser euh, très fortement euh, après. Donc, comment on les fait contribuer finalement à la production euh, de ce qu'ils vont réussir à, à monétiser? Le problème de la retranscription de, de la directive du, du, du droit voisin, et ça s'est vraiment vu là au cours des dernières années, euh, c'est qu'on laisse chacun des, des éditeurs ou des syndicats d'éditeurs négocier avec les différents acteurs pris un par un. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu les négociations d'abord avec Google, ensuite avec Facebook. Euh, on voit les tensions qui ne sont pas du tout propres à la France. Euh, il y a eu des tensions historiquement en Australie. Là, aujourd'hui, il y a un bras de fer au Canada entre Facebook euh, et les médias, où en fait, Facebook bah, va arrêter en fait, de diffuser du contenu des médias euh, pour aller protester contre le gouvernement qui veut introduire l'équivalent d'un droit voisin. Euh, donc, on voit en fait, à chaque fois qu'on qu laisse les éditeurs face à un, un acteur, tel ou tel acteur, ça crée des relations qui sont des relations de, de, de pouvoir complètement disproportionnées. Euh, ce qui fait qu'il y a eu des montants qui ont été négociés alors qu'ils sont toujours les bienvenus pour les éditeurs hein, étant donné leurs difficultés économiques actuelles. Aucun éditeur qui va s'asseoir sur un million ou deux millions d'euros pour boucler son budget à la fin de, de l'année mais qui sont des montants disproportionnés euh, à la fois par rapport à ce qui avait été demandé à la base par les, les éditeurs et ensuite qui sont des montants complètement euh, insuffisants euh, par rapport à, à la réalité euh, de, de la monétisation des contenus utilisés euh, par, les, par les gafam et c'est vrai que en plus c'est même un système Tel qu'il existe aujourd'hui, qui a favorisé les plus gros éditeurs, qui ont été à même d'aller négocier les, euh, les premiers. Et puis, les, les, les petits journaux, en fait, se retrouvent avec rien, ou avec uniquement quelques, quelques miettes. Et c'est vrai qu'il faudrait mieux, et je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été fait non plus comme ça, il faudrait mieux réussir à, à définir des règles précises qui vont euh, associer à un clic euh, une valeur en euros. Euh, et qui s'applique à, à la fois à toutes les plateformes et qui bénéficie à, à l'ensemble des, euh, des médias, plutôt que d'abandonner en fait nos médias dans, un, dans une sorte de, de, de face à face. C'est ça qui a été très bizarre sur cette directive sur le droit voisin. Alors, notamment, il y avait un autre problème, c'est que c'est une directive, euh, c'est-à-dire qu'elle est, qu est retranscrite ensuite dans chaque pays en droit national. Alors que l'avantage de l'approche au niveau de l'Union européenne était de renforcer la, 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 la négociation euh, sans laisser chaque État face à face par rapport aux plateformes. Là où on a vu ce qui s'était passé en Allemagne, ce qui s'était passé en Espagne, enfin, ce qui se passe aujourd'hui au Canada en fait, hein, où les plateformes vont faire du chantage et se retirer d'un marché, et en fait c'est pas très coûteux pour une plateforme de se retirer du marché espagnol, sachant qu'ils savent ensuite que les Espagnols vont revenir. Alors que se retirer de l'ensemble de l'Union européenne, c'est quand même un choc économique qui est relativement différent. Euh, on aurait eu une réglementation euh, plutôt qu'une directive bah, qui se serait appliquée en fait, au niveau euh, de, de l'Union européenne dans son ensemble. Je, je pense que ça aurait été beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus efficace. Euh, là, en plus, sur le droit voisin, bon, la France... Elle... Mais en... heureusement, enfin, c'est plutôt une bonne chose hein, qu'elle qu ait été la première à le retranscrire en droit français. Mais du coup, elle essuie un peu les plâtres aussi, euh, parce que les plateformes ne veulent pas trop concéder aux éditeurs français, parce que tout ce qui sera concédé aux éditeurs français, malheureusement, du point de vue des plateformes, devra sans doute l'être ensuite à un certain nombre d'autres acteurs. Mais c'est vrai que là, de ce point de vue-là, en termes de recommandations, c'est plus compliqué pour le seul législateur français, parce que je pense que vraiment, sur cette question de la contribution des GAFA et, du, et, du, et des droits voisins, c'est vraiment au niveau de l'Union européenne. Pour que le rapport de force soit crédible, euh, que doivent être prises les, euh, les principales euh, mesures. Du coup, on m'a demandé trois préconisations. Ce n'est pas évident, mais je n'en que trois. Euh, en fait, c'est essentiellement ce qu'on a mis avec, euh, avec Benoît Huet dans le livre L'information est un bien public et ce qu'on a appelé une loi de démocratisation de l'information. Euh, sachant qu'on a, on a vraiment écrit euh, Benoît Huet, mon co-auteur et avocat, euh, et on a vraiment essayé d'écrire les choses de telle sorte euh, qu'elles puissent être euh, mises en œuvre euh, dans l'état du droit actuel ce qui était vraiment quelque chose d'important pour, pour nous, parce qu'on voulait des propositions qui soient rapidement, euh, enfin qu'on puisse rapidement mettre en place euh, si nécessaire, sans avoir à modifier tel ou tel aspect euh, du, du droit actuel, euh, notamment parce que c'est des propositions en termes de, 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 de gouvernance, euh, et qu'on ne voulait pas euh, se voir opposer euh, une espèce de, de, de liberté d'entreprendre à une nouvelle régulation du secteur des médias. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas dit bah, les médias en soi, il faudrait les réformer de telle ou telle manière. On s'est dit quelles sont les armes aujourd'hui euh, à la disposition euh, du législateur ou du régulateur. Il y en a deux. D'une part, l'attribution d'un numéro de CPPAP, donc en fait l'ouverture euh, des aides à la presse. Euh, pour lesquels on pourrait ajouter un certain nombre de conditionnalités. Je vais y revenir. Mais de ce point de vue-là, ce qui s'est passé à Sciences-Évies et, euh, et ce qui a continué avec euh, la mission Franceschini, euh, ce qui a fait qu'on a, on, on a eu en fait, un décret qui a réformé les règles d'accès, il y a quelques mois, à la CPPAP avec l'introduction de la nécessité d'avoir des journalistes, ce qui n'était pas le cas euh, avant. Ça montre en fait, qu'on peut réformer assez rapidement euh, ces conditions d'accès au numéro de CPPAP. Et puis l'autre arme euh, à, à disposition, pour le coup, c'est vraiment les conventions. Euh, qui lie les éditeurs à l'ARCOM. Euh, et dans ces conventions-là, aujourd'hui, on a énormément de choses, ce qui montre d'ailleurs le, le, le fait que ce n'est pas complètement gratuit, entre guillemets, enfin, ça ne vient pas sans contrepartie, hein. euh, le fait d'avoir une chaîne de, 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 de télévision ou d'avoir une, une, une fréquence de, de radio. Mais je pense qu'on pourrait renforcer ces, euh, ces conventions dans un certain nombre d'aspects, notamment en termes de gouvernance. Donc, ce qui me paraît important, c'est un, de conditionner l'obtention d'un numéro de CPPAP ou de rajouter dans les conventions qui lient l'ARCOM euh, aux, euh, aux, aux différentes chaînes euh, le fait d'avoir une gouvernance paritaire, c'est-à-dire un conseil d'administration, un conseil de surveillance avec une moitié des sièges euh, pour les salariés. Euh, et dans la proposition qu'on a faite avec Benoît, les deux tiers pour les journalistes. Euh, il s'agit vraiment, en fait, on ne changera pas la structure de l'actionnariat, en tout cas à court terme pour les raisons que j'ai soulignées tout à l'heure, euh, et encore moins pour les chaînes de télé que pour les médias traditionnels. Hein. Si vous prenez une chaîne aujourd'hui comme M6, on est sur des valeurs de marché qui vont tourner autour de 3-4 milliards d'euros. Euh, de toute façon, on ne va pas changer la structure de, de l'actionnariat. Mais on peut vraiment changer euh, la structure de la gouvernance. Euh, et le meilleur manière, d la meilleure façon d'inverser le rapport de force euh, entre les actionnaires et les journalistes, bah, c'est de renforcer le poids des journalistes dans la gouvernance des médias. Et ça, ça ne se fait pas avec euh, 2 sur 13 ou 3 sur 13. Ça se fait vraiment avec une gouvernance qui change le rapport de force, d'où l'idée d'avoir une gouvernance paritaire. La deuxième chose qui me paraît vraiment essentielle, c'est d'introduire un droit d'agrément. Alors ce droit d'agrément, je pourrais vous en parler longtemps, parce qu'en fait, il est dans le droit français depuis 1944. Il est resté là, d'ailleurs, lors de la réforme de 1984 puis de 1986. C'est quoi l'idée du droit d'agrément C'est de donner aux rédactions. Un droit d'agrément en, 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 en cas de changement d'actionnaire majoritaire. Donc si vous avez un changement d'actionnaire majoritaire, les rédactions votent, elles agréent ou non le nouvel actionnaire. Si le nouvel actionnaire n'est pas agréé par la rédaction, la rédaction a un certain temps, ça peut être six mois, un an, ça dépend comment vous écrivez la loi, euh, a un certain temps pour trouver un actionnaire alternatif au prix du marché. Est extrêmement important de préciser au prix du marché parce que si vous n'êtes pas au prix du marché, dans ce cas-là, le droit d'agrément il tombe immédiatement. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à mettre deux fois le prix du marché, vous ne trouverez jamais d'actionnaire euh, alternatif. Euh, et puis, si jamais il n'y a pas d'actionnaire alternatif trouvé dans le délai imparti au prix du marché, bah, vous revenez à l'actionnaire euh, initialement prévu. Euh, ce droit d'agrément il avait été prévu en 1944, il avait été très mal écrit, notamment parce que justement il, il était donné au conseil d'administration de surveillance des différents médias. Sauf qu'en fait, vous avez beaucoup, beaucoup de médias. Aujourd'hui, euh, qui ont des structures euh, juridiques comme des SAS, qui n'ont pas forcément de conseil d'administration de surveillance, c'était uniquement pour la presse papier, euh, c'était en plus uniquement pour l'actionnaire de premier rang, pas pour l'actionnaire de contrôle. Donc, ce qui fait que par exemple, si vous prenez ce qui s'est passé à GD, au GDD à, à, ou à, à Paris Match ou à Europin, en fait, vous n'avez pas eu de changement de. de enfin, C'est toujours Lagardère, l'actionnaire de, de premier rang. Donc, même si vous avez un changement d'actionnaire de Lagardère, bah, ça ouvre pas le droit d'agrément. D'ailleurs, ça ne ouvre pas non plus la clause de cession et la clause de conscience. On pourrait y revenir, mais il y a vraiment un problème de définition de euh, qu'est-ce qu'un changement d'actionnaire, vu les structures actionnariales aujourd'hui de, euh, de possession des, euh, des médias. Et, et ce droit d'agrément, il change vraiment tout en termes de rapport de force. Je tiens à dire que ce n'est pas une lubie, quelque chose qui nous sortirait de la logique complètement du marché pour les médias. Un des médias qui s'en est doté il y a deux ans, c'est le monde. Voilà, Le monde, c'est à l'intérieur d'un grand groupe, euh, la société éditrice du monde, et les euh, journalistes ont obtenu ce droit, notamment euh, suite à l'épisode de Daniel Kretinsky, volonté un peu de, je ne vais pas dire d'OPA négative, mais quand même pas loin, d'entrée d'un nouvel actionnaire contre la volonté des rédactions. Ils ont obtenu ce droit d'agrément qui leur permet maintenant de se prononcer en cas de changement d'actionnaire majoritaire. Et c'est vrai que ça change complètement le rapport de force. C'est-à-dire que pour un certain nombre de médias, de toute façon, si on en revient en plus à l'audiovisuel privé, euh, bah si on en revient au KMC, si cette chaîne doit être remise sur le marché, mais ou à d'autres, hein, parce que là, on a entendu dans l'actualité, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, ça se posera peut-être un jour la question de BFM, par exemple. De toute façon, vous n'avez pas 26 acteurs euh, qui peuvent aujourd'hui faire l'acquisition d'une chaîne de télévision. Donc on on aura toujours un petit nombre d'acteurs euh, qui, pour la plupart, euh, posent des problèmes relativement similaires, c'est-à-dire ils tirent l'essentiel de leurs ressources d'autres secteurs d'activité. En général, ils sont déjà très présents dans le secteur des médias, euh, ce qui vient renforcer le, la concentration. Donc, il n'y aura aucun d'entre eux qui, so qui sont parfaits d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça apporte, le droit d'agrément En fait, ça donne... Au moment du changement d'actionnariat, une puissance de négociation euh, inégalée finalement aux journalistes qui vont pouvoir aller négocier un certain nombre de droits. D'ailleurs, c'est assez intéressant si vous prenez le, le Monde aujourd'hui, la société éditrice du Monde, plein de gens qui disent ah bah oui, il y a une véritable culture de l'indépendance au Monde, il y a beaucoup plus de droits qu'ailleurs, ce qui est vrai en termes de gouvernance, en termes de euh, golden share, euh, en termes de droits d'agrément, etc. Mais c'est pas un truc qui est tombé du ciel. C'est venu du fait qu'en 2010, vous aviez deux actionnaires différents qui étaient prêts à reprendre le Monde. D'un côté le trio euh, BNP, Berger, Niel. Et puis de l'autre côté, il y avait l'offre euh, Claude Perdriel. Euh, et ce qui fait qu'en fait, comme vous aviez deux actionnaires qui étaient prêts à reprendre, ben on est allé vers du mieux-disant et on est allé vers du mieux-disant, notamment en termes de gouvernance. Euh, et avec un droit d'agrément, en fait, c'est ça que vous donnez euh, aux différentes prédactions. En cas de changement actionnarial, vous leur donnez une période en fait, où elles peuvent négocier euh, du mieux-disant et obtenir de nouveaux droits, ce qui, vont les, ce qui va les protéger en termes d'indépendance dans le, dans, le, dans le futur. Et le, et le dernier point, je, je pense que. Ça, ça paraît ambitieux et c'est vrai que ça fait un peu peur vu l'état actuel de, 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 du marché, ce qui fait qu'on ne veut pas du tout le fragiliser les acteurs en place, mais il semble assez urgent et nécessaire de réformer les aides à la presse. Je pense qu'en fait, tout le monde est d'accord pour dire que le système actuel d'aide à la presse souffre euh, d'un certain nombre de défauts, euh, notamment le, le fait qu'il ressemble quand même très fortement à mille feuilles de couches accumulées euh, au fil du temps qu'on n'a pas euh, su euh, réformer. C'est drôle aussi, ironique, hein, si vous regardez les aides qui existent encore aujourd'hui, vous avez à la fois des aides au portage, vous avez des aides au postage, euh, vous avez des, des tarifs SNCF réduits, vous avez les tarifs ben, postaux préférentiels. On n'arrive pas vraiment à choisir finalement vers là où on veut euh, aller. Et en fait, pour des mauvaises raisons d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place un certain nombre de mesures, si jamais vous les supprimez, vous avez peur d'affaiblir d'autres acteurs euh, du, euh, du secteur. Mais c'est vrai que si on reprend cette question à la fois de, de, de la méfiance, qui est quand même beaucoup associée aussi, mais parce que c'est mal présenté à la question des aides. C'est quand même beaucoup alimenté par cette rhétorique annuelle quand le ministère de la Culture publie des chiffres sur les aides à la presse, on donne les aides à la presse qu'aux milliardaires. C'est pour le dire rapidement. Mais ça, c'est juste lié à la structure des aides. C'est-à-dire que vous avez des aides aujourd'hui qui massivement dépendent à la fois, enfin, c'est massivement la TVA à taux réduit, la première source d'aide, à 2,1, et puis les tarifs postaux préférentiels. Sauf qu'en fait, par construction, ces aides-là, elles vont au titre qui réussissent le mieux. La TVA a taux réduit, si vous ne vendez rien, vous avez zéro en aide à la presse. Et pareil pour les tarifs postaux. Enfin, les tarifs postaux, il y a en plus une égalité entre le numérique et le papier. Mais plus vous êtes gros, plus vous en bénéficiez. Donc il faut quand même réinterroger ça, essayer de voir si c'est ces formes-là qu'on veut privilégier comme aide ou pas, voir comment on veut les attribuer. Et c'est vrai qu'il y, y a cette idée qu'on a. On avait défendu au départ aux États-Unis, un, 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 dans, dans le cadre d'un rapport qu'on avait écrit pour le Stigler Center, euh, on avait appelé ça euh, euh, Media Vouchers, qu'on a repris dans le cas français sous le terme de bon pour l'indépendance des médias, euh, mais de dire que peut-être une meilleure manière de, de, de recréer de la confiance et puis de recréer un, un lien de relation entre les, euh, les citoyens et les, et les médias, ce serait de prendre les montants d'aide actuels de les allouer en fait, entre les différents citoyens et donner aux citoyens la possibilité d'apporter son bon pour l'indépendance des médias aux, aux médias de son choix. En fait. Donc de laisser finalement aux citoyens la possibilité euh, de répartir les, les, les aides à la presse euh, plutôt que le, le système actuel euh, qui est un système où c'est quand même déjà plutôt les gagnants entre guillemets qui en bénéficient majoritairement, ce qui peut sembler d'une certaine manière contre-intuitif. Merci Madame Cagé pour... Euh... Cette approche complète, complexe et simplifiée dans, dans vos propos et qui nous permet de, de mieux comprendre les choses. Je suis persuadé qu'elle va entraîner euh, pas mal de questions, euh, même à 8h30. <laughs> Alors, euh, pour laisser le maximum de temps euh, à, à ces sujets, dont certains euh, vont alimenter, y compris nos auditions euh, de l'après-midi, puisqu'on reçoit tout à l'heure Raphaël Baquet, par exemple. Il sera l'occasion de revenir sur la construction que vous avez pointée, non pas comme un exemple, mais comme un des exemples possibles. Euh, et puis, euh, on parlera certainement redevance avec Madame Similveil ce soir, euh, je pense. Ce que je vous propose, euh, c'est que euh, je prenne les inscriptions. Mais pendant que je prends euh, les inscriptions, nos rapporteurs, peut-être. Euh, euh, Juste quelques mots. C'est non seulement la tradition, mais c'est aussi l'efficacité. Qui est-ce qui commence Quelques mots et, et pose la première question surtout. J'invite les collègues à, à lever la main. On va faire plusieurs vagues, très certainement. On va, en tout cas, je vais prendre la première dès maintenant. Merci. Euh, je, je commence vous suis, je vous oubliez pas vous présenter quand vous intervenez si vous voulez oui alors Thierry Cadar donc euh, du groupe cFdT euh, donc oui euh, et rapporteur là, pour, pour, pour cet avis pardon donc c'est euh, vrai qu'il y, y a intervention qui suit très bien beaucoup beaucoup de questions mais je pense qu qu''elles vont venir alors je vais juste euh, euh, peut-être euh, venir sur une question qu'on a, qu a déjà soulevée et euh, donc qui revient dans votre dans vos propos qui est la question du droit d'agrément versus liberté d'entreprendre. On nous a objecté que développer ce droit d'agrément pourrait s'avérer inconstitutionnel au regard de cette liberté d'entreprendre. Pourtant, vous nous dites que d'une certaine façon, il existe déjà. Euh, est-ce que c'est parce que c'était dans une forme particulière, ou eh bien est-ce que c'est parce que cet argument d'anticonstitutionnalité est un argument, on va dire, faible pour éviter de, de, de mise en place de quelque chose qui, qui gêne? Voilà, ça c'est peut-être ma première question. Euh, une deuxième, euh, mais ça, si vous avez le temps de faire. Quand vous, vous avez parlé de la question des parts d'attention, vous avez été obligé d'aller assez vite sur euh, la, la définition de, 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 de cette affaire. Moi, j'aimerais bien enfin, qu'on qu me précise un petit peu comment ça se mesure, cette affaire-là. Est-ce que je peux tirer enfin, Je vais bouger, je vais bouger. Je vais bouger. Euh, comme Thierry a posé, la première question que je voulais poser, je reviens sur l'autre. Euh, vous évoquez la, une, une idée qui consiste à sortir les médias de la logique lucrative. Alors, cela m'interpelle beaucoup. Euh, ça me fait penser euh, à ce qui existe dans le secteur que je représente. Alors, moi, je suis Vincent Ossin, rapporteur mais euh, membre du groupe entreprises. Euh, je suis du secteur des entreprises de la culture et notamment de services publics pour une partie d'entre elles, euh, où il y a effectivement ce jeu euh, où c'est en fait la puissance publique qui finance la création et l'action culturelle pour précisément la sortir du marché. Je, je, je connais le système très très bien, je ne vois pas du tout comment il pourrait s'imaginer se transposer à la presse, donc j'aimerais bien que vous développiez un peu ce que ça veut dire, parce que, enfin, en tout cas, mon effet, c'est de croire que ça sous-entend un financement public très important, qui me paraît vraiment légèrement antinomique à ce que beaucoup des auditionnés précédents nous ont démontré, c'est-à-dire la nécessité d'une capacité d'investissement massif, euh, constante, dans le domaine des médias. Madame Cagé, peut-être quelques éléments sur ces deux premières questions, et puis ensuite, on va continuer le tour de table avec Marie-Thierre, Swad et Antoine pour l'instant. La deuxième. Du coup, excusez-moi, j'ai pas été clair sur cette question de sortir de la logique du marché. Ça, ça veut pas dire que les, les médias n'ont pas euh, vocation à gagner de l'argent. Ça veut dire que les médias ont vocation à réinvestir l'argent qui a été gagné et à pas le distribuer euh, à des actionnaires externes. Donc c'est vraiment l'idée de, de rentrer dans un modèle de, de, de fonds de dotation. Euh, par exemple, vous avez un fonds de dotation aujourd'hui qui possède euh, Mediapart. Euh, Mediapart est un des médias euh, les plus rentables. Euh, en France, euh, ils vont dégager euh, certaines années jusqu'à 3-4 millions euh, d'euros. Cet argent euh, est en partie. Euh, enfin, ils ont une société intermédiaire parce qu'on a un problème avec le système de fonds de dotation, ce qui veut dire que si vous faites remonter de l'argent dans le fonds de dotation, l'argent ne peut pas être redescendu à Mediapart. Donc, il y a quand même cette limite au, au, au système parce que s'ils si faisaient tout remonter dans le fonds de dotation, ils ne pourraient pas le réinvestir. Donc, ils ont une société entre les deux. Ils en font remonter une partie dans le fonds de dotation et s'en servent d'ailleurs pour aider un certain nombre d'autres médias. Euh, mais en fait, l'idée vraiment, est ce qu'on a ailleurs, dans... en fait, vous avez des... parmi les, 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 les principaux médias euh, aujourd'hui au monde, vous avez beaucoup de structures à but non lucratif. Euh, le Guardian, c'est possédé par une fondation, ça ne veut pas dire qu'ils ont vocation à perdre de l'argent, ils en ont gagné, ils en ont réinvesti, mais ils ne le redistribuent pas. Euh, Bertelsmann, en Allemagne, plus grand groupe euh, à la fois d'édition, etc. C'est une fondation, donc c'est ça que je voulais dire. West euh, alors West France, c'est une association, oui. mais c'est pareil, ils sont sortis de, de ce point de vue-là, de, de la logique lucrative. Donc c'est vraiment là-dessus que je voulais insister. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas dégrader. Et typiquement, ça c'est. Enfin, bah, vous en parlerez sans doute mieux avec euh, avec Raphaël euh, Baquet qu'avec euh, qu moi, mais on, on en parle beaucoup avec Raphaël parce que je suis président de la société des lecteurs du, du Monde, donc on se retrouve au Pôle d'Indépendance en, ensemble, etc. Euh, et l'idée d'avoir un fonds de dotation, par exemple pour euh, pour le Monde, ça veut pas du, du tout dire que le, le monde ne doit pas être rentable. Au contraire, euh, puisque vous avez euh, l'actionnaire principal aujourd'hui, Xavier Niel, qui a créé le fonds de notation, il a toujours dit très clairement qu'à la fois il crée le fonds de dotation euh, bah, pour éviter qu'il y ait d'autres. Euh, les épisodes entre guillemets Kretinsky, puis pour garantir l'indépendance du journal et du média, mais qu'en même temps il n'avait pas vocation à, à remettre du cash, pour le dire à sa manière, à intervalles réguliers dans le journal. Donc il fallait quand même mieux que le modèle économique soit garanti. Donc c'est plutôt l'idée de sortir du modèle actionnarial qu'on a vu et qu'on voit encore aujourd'hui, euh, notamment aux, aux États-Unis, où vous avez la, la, la plupart des titres de, 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 de presse, notamment de presse quotidienne locale, euh, qui ont été rachetés, euh, en particulier par des fonds d'investissement. Et pour le coup, qui, ont, qui sont en train de détruire en fait de la valeur ajoutée et de la valeur de presse, parce qu'ils rachètent des médias. Alors historiquement, ils l'ont fait avec les grands titres. Même nationaux aux États-Unis, euh, le Los Angeles Times, c'est un exemple. Chicago Tribune, où ils rachetaient des médias, euh, ils les déménageaient très concrètement. La première valeur ajoutée qu'ils ont retirée, c'est en vendant les locaux, euh, qui en général, le Chicago Tribune, historiquement à Chicago, voilà, c'est un des plus beaux immeubles à l'intérieur de la ville. Euh, et ensuite, ils réduisaient la masse salariale, euh, et on était vraiment dans une logique de rentabilité de court terme. Mais on a encore ça aujourd'hui en France. Euh, reward, c'est ça. Euh, C'est vraiment une entreprise qui est cotée, euh, qui rachète des médias, euh, qui va diminuer leurs recettes, mais ce n'est pas un problème parce qu'ils diminue davantage leurs coûts. Donc, c'est de cette logique-là qu'il me paraît assez urgent de, 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 de sortir. Euh, alors, il y, y, y a différentes manières de répondre sur le, sur le droit d'agrément. Mais c'est là où on a été très conservateur avec, avec Benoît dans, dans nos propositions. Euh, la première, c'est qu'on pourrait euh, interroger euh, l'idée selon laquelle on nous répète souvent que la liberté d'entreprendre est un principe constitutionnel, euh, puisque pour avoir relu plusieurs fois la constitution de française, euh, il n'apparaît nulle part. Mais. Cependant, comme on savait qu'il y avait un risque que, ce, que ça nous soit opposé, c'est la raison pour laquelle on n'a pas dit euh, un média doit aujourd'hui, tous les médias, on doit pouvoir imposer aujourd'hui par la loi à tous les médias un droit d'agrément, mais qu'on a fait du droit d'agrément une conditionnalité, euh, une condition d'accès à un numéro de CPPAP et puis une condition d'accès à une fréquence audiovisuelle. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on a joué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pour accéder à un numéro de CPPAP un certain nombre de, de règles. Dans les conventions qui lient euh, l'ARCOM aux éditeurs, vous avez des règles en termes de, de pluralisme, de représentation des femmes, de représentation des, 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 des minorités, de, de temps de publicité. Vous avez vraiment beaucoup de règles. Et en fait, on ne peut pas leur opposer la liberté d'entreprendre parce que sinon, vous avez toujours le choix de ne plus avoir cette fréquence audiovisuelle-là. Donc c'est vraiment là-dessus là qu'on joue. Ensuite, le droit d'agrément et la liberté d'entreprendre, c'est compliqué. Il y a, ça, ça risquerait, je, je pense, d'être davantage euh, utilisé en termes de, sur la gouvernance paritaire que sur le droit d'agrément. Euh, c'est vrai que ce droit d'agrément, il, il existe vraiment, il est resté dans la loi française depuis 1944 et il, il, a, passé, il a survécu en 1986, encore une fois parce qu'il était mal écrit, mais c'est vraiment au, au moment des sessions. Et puis, il, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de limites hein, dans la manière dont il est défini, notamment le fait que si vous ne trouvez pas un actionnaire alternatif au prix de marché, en fait, on en revient à l'actionnaire de, de, de base. Donc, ce n'est pas non plus une révolution complète. Mais je pense que ce qui est vraiment important, en tout cas, pour être sûr, même si j'aimerais bien avoir ce, 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 ce débat avec le Conseil constitutionnel, Alors, si on pourrait vraiment opposer ou non la liberté d'entreprendre au droit d'agrément. Encore une fois, parce que cette liberté d'entreprendre, ce n'est pas un principe constitutionnel, mais on, on peut revenir là-dessus. Mais en tout cas, tel que nous on le propose, c'est juste de con une conditionnalité rajoutée au numéro de CPPAP dans les conventions euh, Arcomchen. Et là, je pense que dans ce cas-là, ça ne pourrait pas lui être euh, opposé. En ce qui concerne les parts d'attention, bah, l'intuition, elle est assez simple. La question, c'est comment on le mesure concrètement. Mais je vais vous donner des, des, des exemples. L'intuition, c'est la suivante ce n'est pas du tout la même chose euh, d'avoir euh, un citoyen qui regarde, disons, TF1 et ne regarde que TF1. Parce que ça veut dire que pour ce citoyen, 100% de son attention va sur TF1. Et un citoyen qui regarde euh, France 2, qui lit le monde et qui écoute euh, RTL. S'il si regarde France 2, il lit le monde et, et il écoute RTL, en fait, vous avez un tiers de son attention pour chacune de ces chaînes. Il se trouve que si vous regardez la manière dont ça a été fait, et ça a été mesuré la première fois par André Pratt dans son article Media Power sur le cas des États-Unis, si vous regardez par exemple les, les, les citoyens états-uniens qui consomment le New York Times, ils ont en moyenne trois ou quatre sources d'informations différentes, alors que les citoyens qui regardent Fox News ont tendance à ne regarder que Fox News. Donc l'idée, c'est vraiment de dire que quand on va regarder la structure de marché, en fait, il ne faut pas simplement regarder les parts de marché, c'est-à-dire comparer TF1 et France 2, regarder la réalité des comportements de consommation, et puis notamment ensuite les rattacher aux propriétaires. Euh, c'est-à-dire pas simplement se dire, bah, regardez TF1 et France 2, mais en fait, regarder l'ensemble des médias possédés par tel actionnaire versus tel autre actionnaire, pour Pouvoir avoir vraiment une idée finalement de l'attention que capturent tous ces actionnaires, et la première fois que ça a été utilisé concrètement, euh, c'est vraiment pour une décision de l'autorité de la concurrence euh, au Royaume-Uni qui a freiné comme ça euh, l'acquisition de Sky par Murdoch en disant que, en fait, en termes de part de marché, cette acquisition elle passait complètement les règles existantes, ne devrait pas conduit à une concentration excessive, mais en disant, mais en termes de part d'attention, étant donné la présence de Murdoch déjà aujourd'hui. Notamment sur le marché de la presse aux euh, au Royaume-Uni, ça va lui donner trop de part d'attention. Comment on le mesure euh, concrètement bon, Dans un monde idéal, il faudrait savoir qui consomme quoi exactement. Euh, en général, on fait plutôt ça avec euh, des enquêtes. Euh, vous avez quelques enquêtes qui ont été faites de manière davantage détaillée, notamment par le Pew Research Center aux États-Unis, euh, qui a permis justement de construire ces premières mesures dans le cas américain, euh, en, euh, dans, dans l'article Media Power, je crois que c'est qui date de 2000. 18. Euh, au Royaume-Uni, l'OFCOM a commencé à faire des enquêtes similaires, d'abord en se basant sur ce que faisait le Reuters Institute, euh, mais qui fait ça sur des petits échantillons. Donc l'OFCOM a augmenté ses tailles d'échantillons. Vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter avec Rocco-Livier là. Mais en fait, euh, l'ARCOM vient de lancer euh, ça a été discuté euh, et, et c'est parti, euh, parti chez les sondeurs en, en décembre. Là, je crois qu'on en on est au pilote, donc on aura des résultats d'ici de, le, le printemps 2024, justement des enquêtes. Où on interroge les citoyens sur leur consommation de différents médias pour essayer d'avoir, au moins pour la France, une un premier, euh, première mesure de, de, de ce temps d'attention et de comparer ce que ça nous donne avec ce qu'on obtient simplement avec des parts de marché. Par rapport à ça, ce que je veux souligner, c'est qu'il y, y a eu un progrès qui était extrêmement important, d'après moi, euh, qui a été fait dans le cadre du, conceptuel euh, du DSA et du DMA. Euh, dans le cadre du DSA et du DMA, on a arrêté de, de réfléchir en termes de parts de marché. Parce que justement, c'est pas définir les marchés. Euh, c'est assez difficile aujourd'hui de définir c'est quoi le marché d'un réseau social. Quoi, sa part de marché. Euh, et d'ailleurs, on a du mal de plus en plus. On dit bah, quelle va être la part de marché d'une chaîne de télévision. Est-ce qu'il faut simplement le, euh, le comparer aux autres chaînes de télévision, regarder les euh, les podcasts ou regarder ce qui se passe sur YouTube. Et en fait, l'avancée la, conceptuelle qui a été faite par le, le DSA et le et le DMA, ça a été de de réfléchir en termes de ce qu'ils appellent les gatekeepers. Euh, donc en fait, le nombre de gens que vous allez toucher. Et à partir de, du moment où un média touche plus de temps d'individus, on va considérer que c'est suffisamment important pour être régulé. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui essayer de combiner la question de la part d'attention avec la question, de, 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 cette question de, euh, de, de, du nombre de personnes touchées. Et c'est vrai que je pense qu'à terme, ce serait un travail extrêmement intéressant à avoir en France avec l'autorité de la concurrence. Euh, de se réinterroger au-delà du marché publicitaire, parce que l'autorité de la concurrence, pour le coup, de ce point de vue-là, a fait un travail précieux, j'ai trouvé, dans le cadre de la fusion TF1-M6, euh, pour interroger le marché publicitaire, mais aussi plus largement le marché en termes d'audience touchée, avec cette vision à la fois de part d'attention et puis cette, euh, cette question de nombre d'individus que vous allez toucher finalement, plutôt que simplement tel pourcentage. Euh... Et en plus, de toute façon, ce travail il doit être fait parce que les parts de marché telles que définies dans le cadre de la loi de 1986, elles sont quand même. Enfin, <laughs> ça pose un certain nombre de problèmes. Merci. Alors, euh, on va continuer par Marie-Pierre. Vous l'avez beaucoup impressionné. Ça y est, oui, est... Euh, n'aurait pas de questions du groupe des familles, mais euh, peut-être euh, ultérieurement. Swad Bonjour, Swat Beladat du groupe des associations. Euh, merci beaucoup pour votre intervention que vous maîtrisez euh, si brillamment que, que parfois vous allez peut-être un peu vite et donc je voulais un point d'éclairage. C'est sur euh, la question de d'améliorer la la presse euh, et vous avez parlé de la, la part éventuelle de contribution des citoyens et je, je n'ai pas saisi or j'ai senti qu'il y avait quand même là une une piste extrêmement intéressante et puis aussi très, très importante pour nous ici au CESE. En fait, sur cette question-là, la, la, la question est de savoir quelle est la, la, la meilleure manière d'allouer les aides à la presse, si on, si on part même du montant aujourd'hui dépensé en termes d'aides à la presse. Et une des propositions qui pourrait être faite, et c'est un peu inspiré, alors de manière différente, mais techniquement, ça va être inspiré de ce qu'on voit aujourd'hui en Italie, par exemple, dans, dans le cadre du financement des, des associations, euh, ou dans le cadre d'ailleurs du financement des religions, ou maintenant des partis politiques. L'Italie a mis en place depuis les années 1970 un système qui s'appelait à, à la base le auto-per-millet, euh, pour le financement des, des religions, euh, qui consiste à, à attribuer 8 pour 1000 de votre impôt sur le revenu à la religion de votre choix dans le système italien et vous faites ça au moment de la déclaration d'impôt. Euh, c'est un système qui a marché en Italie qui pose plein de problèmes mais c'est juste pour montrer techniquement comment ça pourrait fonctionner. Ils ont étendu ce système au début des années 2000 au financement des associations justement pour essayer de sortir simplement de la logique de financement des associations par les, euh, les réductions fiscales qui posent un certain nombre d'autres difficultés. Donc à ce moment-là, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé le 5 per mille. Euh, donc le 5 pour 1000. Donc vous allez choisir sur votre feuille d'impôt, les associations auxquelles vous souhaitez allouer 5 pour 1000 du montant de vos impôts. Et en 2014, bon, ils, ils aiment beaucoup ce système-là, les Italiens, euh, mais ce n'est pas, pas inintéressant. Ils ont fait pareil pour le financement des partis politiques, avec un système qu'ils ont, ont appelé le doué per mille, où là, cette fois-ci, vous allouez 2 pour 1000 du montant de vos impôts aux partis politiques de votre choix. Ce qui est intéressant, c'est techniquement la manière dont ça marche. Euh, c'est quand vous remplissez votre déclaration d'impôt. Vous allez avoir une case pour l'autopermilé, pour le permilé, pour le duo où vous allez rentrer bah, le nom d'une religion, ou le nom d'un parti, ou le nom d'une association. Euh, le système, il a une limite principale, et ça, ce n'est pas, pas, pas très grave, c'est la manière dont vous écrivez les choses c'est qu'à chaque fois, c'est du pour mille. Euh, ce n'est pas un montant donné par citoyen, ce qui revient en fait à, à donner plus de, de pouvoir de ce point de vue-là aux citoyens les plus aisés par rapport aux citoyens les plus modestes. Euh, mais vous pourriez très bien avoir un système similaire où vous prenez un certain montant, disons par exemple 10 euros, euh, que chaque citoyen peut allouer chaque année au moment de sa déclaration d'impôt, aux médias de son choix. Et quand je dis aux médias de son choix, ça serait défini par la liste des médias qui vont avoir aujourd'hui l'équivalent d'un numéro de CPPAP. Donc vous auriez sur tous les médias qui ont un numéro de CPPAP la possibilité d'allouer 10 euros. Donc ça serait une autre manière de répartir les aides à la presse. Ça semble intéressant. On a, on a essayé quand même de, de, de mettre en place des, des mesures où on faisait directement bénéficier finalement les citoyens du... Des aides à la presse, quand, quand vous avez les mesures post-Covid euh, de déduction fiscale associée aux abonnements. Il y a l'idée un peu qu'après le Covid, bah pour refa refaciliter les abonnements, euh, bah quand les gens s'abonnent, ils vont pouvoir, la première année de l'abonnement, le défiscaliser. Euh, ça n'a pas du tout marché euh, pour plusieurs raisons. C'est que, un, les, les, déjà les gens ont été très peu informés. Euh, et puis deux, ça a été un effet d'aubaine euh, complet. Les gens qui étaient déjà abonnés bah, en ont bénéficié, il n'y a pas eu de nouveaux abonnements. Euh, mais surtout, ça lie finalement euh, les, les aides à la presse telles qu'utilisées à travers ce, ce système-là. Euh, ça les lie au fait d'être déjà abonnés et déjà prêts à payer pour un média. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que voilà, vous avez à peine 10% des gens qui déclarent être prêts à payer pour un média. Alors avec le système de bons, entre guillemets, pour l'indépendance des médias, bah, vous permettez à chaque citoyen d'aider un média qui n'est pas forcément d'ailleurs le média auquel il est abonné. Vous pouvez être abonné à un média et vouloir aider un autre média. Vous séparez ces différentes problématiques et ça vous permet aussi de recréer un lien direct finalement entre les médias et les, euh, et les citoyens. Merci. J'invite les collègues qui voudront prendre la parole à lever la main très rapidement parce qu'on a encore un peu de temps, mais il y a encore quelques interventions. Alors, j'ai ensuite Antoine que j'ai vu hocher la tête négativement sur l'une de vos informations. Donc, Affirmation, pardon. Je te dénonce. Donc je suis persuadé qu'il va y revenir. <laughs> Merci Antoine et oui. du groupe Environnement Nature. Euh, je représente France Nature Environnement au CESE. Euh, C'est marrant parce que depuis le début de la saisine sur l'information, il y a des parallèles et des points incroyables entre la, la question de l'information et du journalisme et des questions environnementales. On est sur un, un, des constats un peu similaires. C'est une question démocratique, c'est un bien public. On est sur des constats similaires. C'est euh, les causes de, de la dégradation et du, du problème aujourd'hui sont largement liées aux questions à l'actionnariat, aux logiques capitalistes euh, lucratives, etc. Et dans les solutions qu'on nous propose, c'est beaucoup la régulation, euh, de la régulation, sans remise en cause profonde des, de, 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 de la place de, de ce bien public et de la gestion collective de ce bien public. Là, là on, a, on a une loi européenne hein, sur la liberté des médias qui est en cours de discussion. D'ailleurs, moi, ça m'interroge beaucoup le, le fait qu'il faudrait qu'on en parle, ça, dans notre saisine, parce qu'on est en train de travailler sur l'état général de l'information hein, au niveau français, alors qu'il est en train de se décider des trucs au niveau européen dans lequel la France joue un rôle. C'est-à-dire qu'elle prend déjà des positions alors que les états généraux ne sont pas finis. Enfin, moi, ça me questionne vraiment beaucoup sur les questions démocratiques, mais bref. Euh, la régulation est effectivement possible. La liberté de la, pré... la liberté d'entreprendre, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Donc ce n'est pas dans la Constitution, mais c'est typiquement un principe que la jurisprudence constitutionnelle reconnaît comme un principe à valeur constitutionnelle. Ce n'est pas parce que c'est un principe à valeur constitutionnelle que, que c'est un principe euh, absolu. En matière d'environnement, le Conseil constitutionnel a remis à sa place la liberté d'entreprendre en disant pour des motifs environnementaux et sanitaires, on peut tout à fait porter atteinte à la liberté d'entreprendre. C'est une décision de 2020 sur la, la production de pesticides, d'ailleurs. C'est un dossier très intéressant. Donc il n'y a pas de problème sur le fait d'atteindre la liberté d'entreprendre. Enfin, il ne faut pas se donner de limites. Moi, ce qui me pose plutôt problème, c'est que si on a une mission d'intérêt général, si on doit gérer un bien public, si c'est une question démocratique, si on reconnaît l'influence directe sur les opinions et les problèmes de pluralisme, euh, pourquoi est-ce qu'on ne va pas un peu plus loin enfin, Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plutôt sur le développement de, de garanties de, de, de ces fonctions publiques Dans la presse, moi, je, je pense souvent à l'AFP. Vous avez dit que, que le problème c'était beaucoup, enfin que il y avait beaucoup d'informations qui étaient du copier-coller. Moi, moi, très très franchement, de plus en plus, je lis directement l'AFP et euh, ça, ça m'évite beaucoup de problèmes de, de, de réussir à décortiquer euh, qui, qui me dit quoi et comment il faut que je le lise. Donc je regarde beaucoup l'AFP. D'ailleurs, surtout les médias partent. Il y a maintenant le fil continu qui est en fait l'AFP et c'est intéressant pour ça. Euh, Aujourd'hui, l'AFP, si je d'après ce que j'ai vu. L'État français compense la mission d'intérêt général remplie par l'AFP d'un montant qui représente un tiers de son chiffre d'affaires, avec dans la loi l'indépendance de l'AFP. Donc, on, on peut, enfin, il me semble qu'on peut aller plus loin dans le fait de reconnaître que si un sujet est d'intérêt général et, et, un sujet de, enfin, et à ce point-là un, un bien public, l'action publique doit, euh, doit intervenir au-delà de la seule régulation du domaine privé. Donc, est-ce que le modèle AFP en particulier est pas aussi un, est pas un modèle à suivre le modèle a fait, il est extrêmement euh, intéressant. Je le connais bien parce que j'ai siégé à leur, euh, à leur conseil d'administration pendant sept ans. Euh, suite à la réforme euh, de leur statut, euh, notamment au moment de, bah, de, de la définition de, de la reconnaissance de cette mission d'intérêt général, et du coup, en fait, comme l'Europe leur a accordé le droit d'avoir une mission d'intérêt général compensée par l'État, ils ont dû changer leur statut, puisqu'en fait, autour de la table, statutairement, ils n'avaient que leurs clients, euh, à la fois les entreprises de presse et l'État comme, comme clients. On a dit qu'il bah, faut quand même faire rentrer des personnalités qualifiées parce que si vous avez que des clients autour de la table ça interroge un peu la mission d'intérêt général et je trouve que ça marche plutôt très bien et en plus ils ont réussi quand même de manière assez efficace à définir et chiffrer chaque année cette mission d'intérêt général ce n'est pas parfait c'est même souvent imparfait notamment quand vous assistez aux discussions budgétaires et la volonté assez répétée de l'État de se mettre en retrait de ce financement donc ce n'est pas la perfection mais dans la forme, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, c'est des discussions, euh, je, je, je le mentionne, puisque je, je les ai euh, actuellement, euh, notamment dans le cadre de, 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 de l'association que, euh, que je prédis préside euh, un bout des médias on essaie de, de venir en, en, en aide à un certain nombre de médias en difficulté. Il se trouve qu'un des médias qui est fragilisé aujourd'hui, c'est 60 millions de, de consommateurs, euh, qui en plus a un statut assez euh, particulier, euh, parce que c'est un épig. Euh, et l'État a dit, bah, est-ce qu'on ne devrait pas se retirer de 60 millions de consommateurs, notamment parce que vous avez en face l'UFC que choisir, qui dit, il bah, y a de la concurrence déloyale, et 60 millions de consommateurs disent, bah, non, en fait, on a une mission d'intérêt général. Donc on est en train de développer toute une argumentation euh, juridique pour montrer que, de facto, 60 millions de consommateurs, notamment à travers tous les tests qu'ils font aujourd'hui, a vraiment une mission d'intérêt général. Et donc, il y a une vocation pour l'État de financer cette mission d'intérêt général, pas les activités commerciales. Et d'ailleurs, pour l'AFP, il y a vraiment une séparation entre mission d'intérêt général et activité commerciale, et que ça a vocation à, à perdurer. Pourquoi ça ne peut pas être forcément étendu à l'ensemble des autres médias, euh, mais d'où aussi l'importance de l'AFP, c'est-à-dire que l'AFP, pour le coup, est, est censé euh, présenter uniquement de l'information. C'est un fil d'information euh, sans éditorialisation d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si j'aimerais bien que je le présente comme ça, mais cette information est, est, est neutre, elle est purement informative. Et le rôle des médias ensuite, c'est d'enrichir cette information et de l'éditorialiser justement en y rajoutant euh, chacun bah, leur point de vue sur, euh, sur l'information. Non, mais pas forcément. Il y en a qui prennent du copier en terme de copier-coller en termes du, du flux de l'AFP. Euh, mais c'est-à-dire que vous, à la limite, vous avez besoin d'une seule AFP. Alors on peut considérer qu'elle n'est pas suffisamment financée, qu'il n'y a pas suffisamment de, de, euh, de journalistes, mais justement en mettant des, des principes suffisants pour garantir l'indépendance la, de l'AFP, on aurait presque besoin que d'une seule AFP. Mais le rôle des médias, c'est d'apporter du pluralisme à l'information, finalement, purement factuelle, au fait. Oui, la fait des, des faits aux faits documentés euh, par, par l'agence France Presse. Donc, c'est ça qui, qui, qui est important. La question ensuite derrière, c'est comment vous pouvez à la fois avoir cette, cette idée de bah, d'enrichir les faits par des médias qui, de facto, apportent des points de vue différents sur le monde. Et c'est ça aussi le pluralisme de l'information, euh, tout en garantissant, et c'est là où parfois il peut y avoir une tension, et pour moi, c'est quand même deux concepts qui sont extrêmement différents, euh, tout en garantissant l'indépendance des rédactions. Le problème de ce qui s'est passé au journal du dimanche, c'est pas de savoir si le journal du dimanche est un journal de droite, un journal du centre, un journal de gauche, je crois que ce serait relativement difficile à, à défendre comme idée, euh, c'est plutôt l'idée selon laquelle, contre l'avis de 97% de la rédaction, vous avez un changement de ligne donc c'est vraiment la, les, les atteintes à l'indépendance mais sur la, sur de la presse écrite quand je dis écrite encore une fois c'est vraiment papier et en ligne à partir du moment où vous avez suffisamment de concurrence et suffisamment de pluralisme le, le fait ensuite d'avoir des lignes éditoriales distinctes à partir du moment où vous protégez l'indépendance de, des rédactions ça semble une chose qui est qui est suffisante euh, la question aujourd'hui qui se pose c'est vraiment plus en termes de pluralisme interne de l'audiovisuel et moi je continue à penser qu'on a besoin encore aujourd'hui, de pluralisme interne, il y a des gens qui disent que ce n'est pas la peine, euh, qu'on a suffisamment de chaînes avec la TNT, suffisamment de chaînes avec Internet, euh, pour que finalement on puisse considérer que le paysage audiovisuel n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et que du coup, en fait, des règles de pluralisme externe seraient suffisantes, comme pour les autres médias. Il se trouve que quand vous regardez les comportements de consommation, je, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais il se trouve que les gens ne zappent pas énormément. Euh, et c'est vrai, hein. euh, les, les, les gens commencent par la 1 hein, et vous avez un gain d'audience simplement lié au fait d'être numéro 1, ensuite par la 2, par la 3. Et ça avait été bien documenté d'ailleurs au moment où euh, la, la chaîne d'information euh, France Info a obtenu le numéro 27. Euh, il l'avait documenté, Delphine Arnaud avait dit à l'époque qu'on perd quasiment 0,5 à 1 point d'audience du fait d'être numéro 25 par rapport à numéro 15. On peut dire c'est très bizarre, parce qu'en fait, maintenant, sur votre télécommande, vous pouvez taper 15 ou 27, vous avez pas, mais ce n'est pas la manière dont les gens consomment. Et c'est là où on en revient en part d'attention. et se trouve que sur la télé, les gens sont souvent prisonniers d'une ou deux chaînes. D'où la nécessité de, de préserver ce, ce pluralisme interne. Et c'est là où on a un travail à faire en termes de, de régulation. Et pour le coup, ce n'est pas tellement en termes de compenser une mission par l'État, parce que pour le coup, les chaînes n'ont pas des problèmes de, de rentabilité euh, euh, majeure. C'est vraiment plus un problème de, de comment vous définissez clairement. La, la question des règles de, de pluralisme. Et de ce point de vue-là, je ne serai pas là, mais c'est vrai que la discussion avec l'ARCOM sera extrêmement intéressante parce que quand, quand vous voyez Roc-Olivier Mestre, mais qui est obligé de le reconnaître, de dire par exemple, bah, CNews respecte aujourd'hui ses obligations en termes de pluralisme. Qui de facto, est vrai, ça interroge la manière dont elles sont définies, notamment le fait qu'ils ne régulent que le temps de parole des hommes et des femmes politiques étroitement définis, ce qui fait que jusqu'en septembre 2021, par exemple, le temps de parole d'Éric Zemmour n'était pas euh, régulé comme un temps de parole politique et que ça voilà, ça oblige aussi à revoir sans cesse les régulations euh, en fonction de la pratique des éditeurs, parce que la pratique des éditeurs a changé. On doit interroger les, les régulations existantes aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue hein, pour notre audition ouais. euh, de fin de journée. Euh, Bernadette. Oui, mais alors, donc, euh, oui, Bernadette du groupe Alternative Sociales Écologiques au, au nom de la FSU, mais vous avez déjà un peu répondu à ma question là, à l'instant, puisque vous nous avez dit, j'y reviens un tout petit peu quand même pour voir si vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, mais vous nous avez expliqué euh, très justement, je pense que la redevance qui a été supprimée, bon, en gros, c'était plus ça, et que voilà, mais en, en même temps, vous dites, elle n'a pas été remplacée non plus. Par un financement qui permette, en tout cas pour certains médias, peut-être de, de compenser euh, ce qu'elle qu permettait. Et, euh, qu et, et moi, ma question, c'était au-delà de la question du financement, donc en lien avec ce que vous venez de dire, est-ce que le, alors, soit la régulation, soit le rôle, on va dire, de, de l'économie dans les médias peut contribuer à nous aider à, à lutter contre les médias qui produisent beaucoup de fake, puisque une de nos questions aussi, c'est quand même la question de la désinformation. Euh, donc je, je développe pas évidemment, mais voilà. Et, et vous venez un petit peu d'y répondre quelque part en disant voilà il y a, y a en gros, il euh, y a des règles de pluralisme qui font. que, Vous prenez l'exemple de CNews, C News, c'est compliqué d'aller expliquer que. Mais euh, voilà, est-ce que il pourrait y avoir, dans les réflexions que vous avez eues et dans les propositions que vous avez eu l'occasion de faire, une manière de faire, d'un point de vue économique, du financement, qui aide aussi à lutter contre les médias, qui, quels qu'ils soient, un hein, réseau ou médias qui produisent euh, du fake. Vous N'aviez pas eu assez de temps, Bernadette vous en avez un <laughs> Non, mais c'est des questions qui sont extrêmement compliquées, euh, notamment sur la question du, euh, du réseau social. Enfin, de, de la régulation des réseaux sociaux, même plus largement, la, 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 c'était la principale source de, 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 de propagation des, des fausses informations. On peut pas ensuite parler des fausses informations propagées par des médias traditionnels, mais quand même la principale source de, de propagation des fausses informations, ce sont les réseaux sociaux. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc on pourrait dire que les réseaux sociaux n'ont pas fondamentalement intérêt à propager des fausses informations. Euh, ils ont intérêt à le faire parce que si vous regardez le comportement euh, de propagation des fausses informations, en fait, elles se propagent beaucoup plus vite que les vraies informations et elles elles attirent plus de clics, pour le dire rapidement. Euh, en anglais, c'est ce qu'on appelle du clickbait. On le dit plutôt en anglais parce que c'est plus élégant qu'en français. Enfin, on appelle ça du putaclic en, en, en français. Euh, il, il se trouve que voilà, c'est générateur d'énormément de, de clics euh, et que du coup, pour un réseau social, euh, ralentir la diffusion de fausses informations, c'est se priver de clics. Et se priver de clics, c'est se priver de revenus publicitaires. Et quand vous avez des modèles économiques qui sont des modèles économiques qui reposent euh, intégralement bah, sur la publicité, euh, bah, en vous privant de clics, bah, vous, vous mettez en cause en fait, votre modèle économique. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en capacité Et ça me paraît compliqué, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'interroger. Euh, S'interdire d'y réfléchir. Mais ça, pour le coup, ah d'ailleurs, je vais revenir sur la question de l'EMFA, euh, mais ça, pour le coup, c'est un peu comme pour les droits voisins. Je pense que ce n'est pas une problématique française, ça devrait être une problématique euh, au niveau européen. C'est comment faire en sorte euh, que vous ayez, en gros, un système euh, de taxation des revenus des réseaux sociaux qui diminue leurs incitations euh, à, à démultiplier les contenus euh, qui attirent du clic. Euh, et ensuite, il y a la deuxième question, mais qui est extrêmement encore plus compliquée. Euh, C'est ce que vous voulez réguler et finalement euh, faire payer des amendes, enfin les pénaliser quand elles diffusent des fausses informations. Euh, ça, on, il y a eu des tentatives en France de le faire qui ont euh, qui ont échoué, et, euh, et un peu partout en fait où il y a des tentatives de le faire, ça échoue pour une raison assez simple. Que je peux vous le dire pour travailler euh, sur le, le sujet avec beaucoup de chercheurs et euh, y compris beaucoup de chercheurs en, en en sciences de l'informatique, euh, on a énormément de mal à euh, identifier les fausses informations de manière automatique. En gros, d'un point de vue algorithmique, euh, on ne sait pas vraiment le faire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est étonnant. Si vous prenez les. Euh, tout ce qui est fait par les agences de fact-checking aujourd'hui. Bah, par exemple, l'AFP Factuel. Ils ont travaillé beaucoup avec les réseaux sociaux, par exemple avec Facebook. Et Facebook est censé leur fournir ce qu'on appelle un fil Facebook, où ils vont identifier des fausses informations et ils vont en trouver eux-mêmes. Ils vont très peu trouver de fausses informations sur le fil Facebook, euh, parce que ces informations euh, identifiées automatiquement, algorithmiquement, en général, elles ne sont soit pas fausses, soit pas intéressantes, etc. Donc, on sait très mal l'automatiser. Euh, donc, ensuite, on peut dire bon, bah, on peut toujours avoir une procédure judiciaire en disant, bah, il y a eu telle fausse information à tel moment, mais dans ce cas-là, c'est trop lent. Le temps de la justice, c'est trop lent. Donc, on, sait, on sait mal les réguler d'un point de vue de réactivité. Donc, en fait, la, la seule question, c'est comment les réguler en, le, en changeant le, le modèle économique euh, et ça, c'est des problématiques qu'on devrait avoir au niveau de l'Union européenne. Mais à partir du moment où vous avez des réseaux sociaux euh, qui ne dépendent pas d'un système d'abonnement, et le fait d'avoir des réseaux sociaux qui vont dépendre d'un système d'abonnement, on l'aura marginalement un peu, on, voilà, pour euh, surtout se protéger de la publicité, etc. Mais ça ne sera jamais le modèle économique des réseaux sociaux, parce que ça ne colle pas avec la logique qui est de maximiser le nombre d'utilisateurs. On a cette problématique qui est une problématique extrêmement... Euh, Importante. Je pense qu'à minima, on pourrait avoir des règles beaucoup plus strictes en termes de régulation et notamment de dépenses de régulation imposées à ces réseaux sociaux en termes de pourcentage de leur chiffre d'affaires. Euh, on sait aujourd'hui qu'ils en font quand même un peu euh, uniquement à leur tête. Euh, D'ailleurs, hier, il y a eu une procédure lancée par Thierry Breton euh, contre X pour dire bah oui mais les rapports qu'ils nous ont donnés en termes de risque et de gestion de risque, bah, c'est complètement insuffisant. Donc, on va, y, on va y aller davantage dans cette, dans cette direction-là. Mais ça suppose de changer le, le cadre de régulation actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils décident d'avoir trois modérateurs, 30 modérateurs, 30 000 modérateurs c'est à la discrétion des réseaux sociaux. Euh, certains les ont pays par pays vous en avez d'autres qui vont avoir des fermes à régulateurs qui sont basées à l'étranger c'est absolument euh, n'importe quoi donc voilà donc je pense qu'à minima puisqu'on va avoir du mal aujourd'hui à changer leur business model il faudrait sans doute davantage taxer leurs revenus publicitaires d'une part et d'autre part définir euh, en termes d'après moi de pourcentage de leur chiffre d'affaires euh, un montant minimal à, à, à dépenser euh, sur la modération une modération de qualité, etc. Ensuite, sur, du coup, je reviens juste à ça une minute, sur les ELI les et l'EMFA, c'est vrai que c'est assez bizarre. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir quand même pas mal de choses qui vont se recroiser sur les problématiques, en particulier de, de gouvernance, d'indépendance euh, entre les États généraux de l'information et l'EMFA, sauf qu'à priori, euh, l'EMFA, il sera adopté euh, avant le rendu des conclusions des États généraux de l'information. Et donc, en fait, on va potentiellement se retrouver avec des contradictions euh, entre, les, euh, entre les deux textes. Euh... Enfin, on va dire que ça interroge un minima. C'est un choix de calendrier assumé peut-être, je ne sais pas, par la, la France. Bah, les... bah, disons que le calendrier des États de généraux, si vous voulez ma lecture, mais elle est assez politique du calendrier des États généraux de l'information, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, annoncés. Euh, depuis 2022, en fait. Et dès qu'il y a eu d'ailleurs la, la discussion sur le financement de l'audiovisuel public, on annonçait déjà les états généraux de l'information, ils ont été repoussés. Euh, ils, ils ont été redéclenchés euh, au moment de ce qui s'est passé au niveau du journal du dimanche. Et d'une certaine manière, pour moi, ça a été une, une manière pour le gouvernement de ne pas intervenir euh, sur le cas du JDD, là où, et ça je le dis très concrètement, parce que je pense que ça aurait pu être fait. De la même manière qu'avec la mission Franceschini, on a eu un décret. Euh, la ministre de la Culture qui a conditionné euh, l'attribution d'un numéro de CPPAP euh, au fait d'avoir un investissement journalistique suffisant, on aurait pu avoir à ce moment-là un décret qui aurait conditionné, alors du coup, ça je ne l'ai pas mis dans mes propositions parce que vous m'avez dit trois, c'est un fracable, qui me semble extrêmement important euh, l'attribution d'un numéro de CPPAP euh, ou un droit de veto accordé à la rédaction euh, sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction. Euh, c'est un droit qui existe dans un certain nombre de médias ça existe au monde, ça existe aux échos, etc. Et ça aurait pu être fait. Et finalement, le calendrier de, des états généraux a été d'une certaine manière dicté par le JDD. On a dit, ah, il ben, y a cette crise, on ne peut pas se prononcer maintenant, on verra bien ce, ce qui découle des états généraux de l'information. Euh, voilà. Ce qui... Vous venez de créer et... beaucoup de proximité entre vous, les membres de cette commission, en passant de trois à quatre propositions. Vous confirmez la légitimité de l'attitude de... Régulière ici, euh, d'avoir le droit à une question et d'en poser trois. Donc, en fait, tout va bien. Merci euh, de votre soutien. Anouk Oui, bonjour. Euh, Anouk Elerne, groupe des entreprises. Euh, juste une question concernant, pour, sur le sujet de, des aides à la presse. Quand euh, vous avez cité l'exemple le, le, italien, euh, un, ça permet donc aux citoyens de flécher directement. Une part de son, enfin, directement, peut-être, une part de ses impôts à des euh, organisations qu'il choisit. Euh, est-ce que ça, cette détermination comme ça aussi précise, est-ce que ça pose pas un problème de collecte de données euh, qui est, euh, pourrait peut-être être, être utilisées euh, à d'autres fins euh, éventuellement Parce que là, ça devient très précis, ce que vous disiez tout à l'heure c'est un excellent point et ça s'est posé notamment enfin ça a été dans les débats en Italie euh, pas tellement au moment de la religion des associations mais quand ils l'ont étendu au doué permis euh, l'administration fiscale protège extrêmement bien ces données-là on pourrait dire d'une certaine manière aujourd'hui si vous prenez les données fiscales euh, je les connais bien parce qu'elles sont, euh, sont accessibles aux chercheurs mais de manière complètement euh, anonymisée d'ailleurs non seulement de manière anonymisée mais ça va beaucoup plus loin puisque à partir du moment où vous avez des cases où vous n'avez pas assez d'observations euh, ces données-là elles ne vont même pas être entièrement, euh, entièrement disponibles. Ça n'a jamais, jamais fuité, euh, pour la même raison que toutes les données fiscales euh, ne fuitent jamais, puisque l'administration euh, a ce travail finalement de, de préservation et de sécurisation des données. Moi, personnellement, si on devait le, le mettre en place en France, je proposais d'aller une étape plus loin, c'est-à-dire pas simplement de faire confiance à l'administration fiscale pour faire en sorte que ces données ne soient pas préservées, mais de le faire sous forme d'un vote électronique, c'est-à-dire que quand vous avez fini de remplir votre feuille d'impôt, vous avez un, un numéro euh, qui va être associé euh, à votre numéro de, 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 de contributeur fiscal euh, qui, qui ça va être une clé en fait aléatoire vraiment comme dans le vote électronique qui peut être protégé par de la blockchain où vous votez et en fait ce qui est donné à l'administration fiscale c'est que le résultat du vote entre guillemets d'ensemble, et, et en fait, elle conserverait même nulle part une trace euh, de, de, des choix qui sont faits. Ce qui, ce qui techniquement, est faisable, c'est vraiment ce qu'on fait avec le vote électronique. Donc, si jamais on avait une défiance par rapport à, à la préservation de l'anonymisation des données par euh, l'administration fiscale, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être fait. Mais si vous voyez aujourd'hui... Il y a des pays où les données fiscales sont librement disponibles. Hein. Si on prend en Suède, par exemple, c'est une espèce de mine pour les chercheurs, mais ça interroge beaucoup, parce que, pour le coup, vous allez avoir les déclarations d'impôts de chaque citoyen, avec le nom, l'adresse, Bon, je ne suis pas du tout pour aller dans, dans cette direction-là, mais on voit déjà que l'administration fiscale a énormément d'informations sur chacun d'entre nous, et y compris sur des personnes publiques d'intérêt. On n'a jamais vu la déclaration d'impôts de telle ou telle star du cinéma euh, fuiter, etc. Donc moi, je fais plutôt confiance, mais on pourrait en plus le doubler des, des procédures équivalentes à un vote électronique, euh, de fait au moins en plus ça se lier complètement les mains, parce que dans ce cas-là, l'administration fiscale n'aurait en fait, même jamais cette information à sa, à sa disposition. Alors, il n'y a plus de prise de parole, sauf la mienne, je voudrais vous poser deux questions, en soulignant quand même que, mais nous n'aurons pas le temps d'en débattre, que la proposition que vous faites, qui est de mon point de vue très intéressante, renvoie quand même aussi à un autre sujet qui est celui de l'affectation de l'impôt. Vous avez fait référence à l'Italie où on peut affecter une part d'impôt à un parti politique. C'est aussi revoir totalement les règles françaises on regarde l'affectation aux résultats euh, électoraux, euh, et qui peut aussi avoir quelques dangers. <laughs> euh, D'ailleurs, en Italie, je crois qu'on le voit euh, en partie tout de suite. Donc, c'est euh, simplement pour souligner effectivement la complexité des sujets, mais euh, ça n'est pas... À vous, c'est que je le dis bien évidemment, je ne me permettrai pas, et je sais que vous avez tout cela en tête, mais c'est une réflexion à un bas-haut sur la complexité des croisements de sujets. Tu faisais référence à l'Europe et la France tout à l'heure, mais aussi entre les sujets français et les impacts que ça peut avoir à partir du moment où on parle entre autres du financement public. Deux questions très rapides. La première, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez fait un lien entre le droit d'agrément et le non-déclenchement automatique, je vais le dire comme ça, de la clause de conscience. Alors, J'ai je, 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 peut-être eu un, un moment de… mais je, je, je voudrais que vous reveniez juste là-dessus, euh, s'il vous plaît, puisque c'est un élément euh, qui me semble important. Et puis, la, la deuxième, un sujet que vous n'avez pas évoqué, mais c'est normal, on vous n'avez pas questionné dessus. Mais comme vous êtes enseignante et que euh, nous travaillons dans le cadre d'un avis dont l'objectif euh, est, euh, entre autres, de travailler sur l'impact sur la démocratie hein, des questions d'information… De, de, nous avons un volet éducation à l'information, aux médias, etc. Peut-être, je sais que c'est un sujet qui ne vous laisse pas insensible, peut-être deux mots là-dessus. Un mot sur, sur, sur l'affectation la, sur de l'impôt. Non, mais parce que c'est un sujet qui est extrêmement... Euh important, et que, une question que je me suis posée, mais je me dis que d'une certaine manière, toutes les mesures qui existent aujourd'hui, alors pour les médias à but non lucratif, euh, mais pour les associations, etc., qui passent par de la réduction fiscale, euh, en fait, ça, ça revient finalement à cette même problématique de l'affectation d'impôts. Alors, ça apparaît moins directement parce que ce n'est pas du fléchage pas direct, en fait. mais en fait, à partir du moment où vous faites un don et que vous savez que vous allez bénéficier de deux tiers de réduction euh, d'impôts oui. par rapport à ça, ça, ça revient au même. Donc, de ce point de vue-là, voilà, je, je trouve que c'est ça, le problème se pose déjà d'une certaine manière. Euh, alors le lien, non en fait, je pas fait, et je, et, et, c est, c est, merci de, de revenir là-dessus, euh, si je n'ai pas été clair, je n'ai pas fait de lien entre droit d'agrément et clause de conscience. Je veux vraiment insister là-dessus parce que je sais que dans le cadre des États généraux de l'information, euh, vous avez un certain nombre de prises de position qui consistent à dire si on donne le droit d'agrément... De supprimer la clause de conscience. Euh, moi, je ne pense pas que si on donne le droit d'agrément, il faille en plus euh, supprimer la, la, la clause de conscience, euh, parce que le droit d'agrément, c'est un droit à la majorité, finalement, euh, d'une rédaction, et la clause de conscience, c'est un droit individuel. Là où j'ai fait le parallèle entre les deux, euh, c'était sur la manière dont est défini aujourd'hui par la loi le droit d'agrément et la manière dont sont définies les règles d'ouverture de la clause de conscience et de la clause de cession, euh, parce qu'à chaque fois, c'est défini euh, par rapport à, à l'actionnaire de premier rang pour la, la clause de cession, la clause de conscience, comme pour le droit d'agrément. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une partie des acquisitions euh, se font euh, bah, pas directement. C'était l'exemple de Bolloré. Ce n'est pas Bolloré qui a racheté Europain. Euh, mais Bouloré, je, je pourrais en rendre encore plus fin hein, sans dire Vincent Bolloré, mais en passant par Vivendi. Mais bon, pour le dire rapidement, euh, ce n'est pas Vivendi qui a racheté Europain. C'est Vivendi qui prend le contrôle de la Gardère. Mais du coup, l'actionnaire d'Europe 1 n'a pas changé. C'est toujours la Gardère. Donc, de facto, euh, alors on pourrait discuter de la clause de conscience, parce que la clause de conscience, c'est sur un changement de ligne éditoriale. Vous n'est pas obligé d'avoir un changement d'actionnaire. Mais de facto, en droit français aujourd'hui, ça n'ouvre pas euh, la clause de cession, puisqu'il n'y a pas eu cession. Euh, et puis, de facto, ça n'ouvre pas non plus le, le, le droit d'agrément. Euh, mais moi, je ne pense pas qu'il faille euh, abandonner l'un pour l'autre. Ensuite, pour être tout à fait honnête, euh, c'est des mesures qui ont été très utiles et relativement bien pensées pour le coup, contrairement à la, au droit d'agrément euh, en 35, 36, euh, la, la, la clause de conscience et la clause de cession, mais qui ont un peu perdu aujourd'hui de, de leur utilité dans un univers de plus en plus concentré avec de moins en moins de journalistes. En gros, si vous regardez les années 70-80, vous aviez Robert Ersan qui rachetait un média. Bah les journalistes qui voulaient partir partaient euh, parce qu'en fait, ils étaient sûrs d'aller trouver un travail de journaliste euh, ailleurs dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, vous avez cette possibilité de partir. Euh, mais si vous regardez, par exemple, ne serait-ce que les journalistes de ITD, enfin vous quittez la profession de journaliste. Donc, il n'y a plus finalement cette, cette idée de, 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 de garantir le pluralisme en faisant partir les journalistes dans de bonnes conditions pour aller trouver un autre emploi de journaliste. Malheureusement, on est dans un, un univers fragilisé. Sur l'éducation et la formation aux médias, c'est tout un univers en soi. Je vais dire un tout petit mot. En fait, c'est des questions sur lesquelles j'ai très peu travaillé jusqu'à présent, sur lesquelles on est en train de travailler aujourd'hui avec le clémi avec le un média d'information, dans, dans le cadre d'une expérimentation qu'on qu qu lance au niveau des lycées et des élèves de terminale. Donc, c'est avec bah, André Aprat, que j'ai déjà cité tout à l'heure pour ses travaux sur les parts d'attention qui à l'Université de Columbia, euh, Simon Briol qui est à l'Université de, de, de Montpellier et, euh, et moi-même, en fait, on a lancé une, une expérimentation euh, auprès des élèves de terminale des, des lycées pour leur donner euh, un abonnement gratuit euh, à, à un euh, grand média d'information. Euh, alors, ça, c'est un premier traitement, entre guillemets, euh, pour faire une formation vraiment à l'éducation aux médias. On va avoir un groupe de contrôle. Euh, et l'idée, c'est d'essayer de mesurer dans quelle mesure aujourd'hui le manque d'information des, euh, des plus jeunes est, 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 est dû à un frein financier. Et notamment en fait que bah, quand vous interrogez les plus jeunes comme les plus âgés sur est-ce que vous êtes prêt à payer pour tel ou tel média, ils vous répondent non. Et sachant que vous avez quand même une grande part de contenu qui est disponible gratuitement, est-ce que ce n'est pas plutôt lié à un frein informationnel, entre guillemets cest ne sont pas au courant qu'il y a ces médias qui existent gratuitement auprès desquels ils peuvent s'informer, ou est-ce que c'est vraiment une, une, un problème d'approche de la question médiatique, et notamment euh, dû au fait euh, qu'ils ne qui voient pas la différence entre guillemets, euh, je caricature un petit peu, mais si vous voulez pousser la logique jusqu'au bout, la différence entre passer du temps sur TikTok et puis aller euh, directement euh, sur le site du Figaro. Euh, en termes de... Voilà. Donc en fait, on veut, on veut vraiment euh, essayer de, 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 de tester entre, en, entre, en, entre guillemets, ces, ces, ces différentes interventions, euh, et notamment parce que la, la plupart des politiques euh, d'un point de vue financier, d'éducation aux médias, qui avaient été mises en place, malheureusement peu évaluées, euh, ça avait été par exemple après les états généraux de la presse. Du temps de Nicolas Sarkozy, euh, le fait de mettre en place un, mon premier abonnement, de donner un abonnement euh, gratuit euh, pendant un an aux, aux plus jeunes. Euh, et en fait, ça, ça marche si le principal frein est un frein financier. Voilà. Mais si le frein n'est pas un frein financier. Donc voilà. Donc je, je commence et je travaille du coup beaucoup avec le Clémy, parce que c'est eux qui font des, euh, des choses assez formidables, notamment en termes de formation euh, à, à l'éducation aux médias. Donc en fait, on, 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 on travaille avec euh, ce qu'ils ont déjà préparé comme module. Et euh, je serais ravi de revenir en parler avec nous, mais pour le coup, il va falloir qu'on attende d'avoir les résultats en juin ou juillet. Donc, euh, c'est ça, c'est le, les expériences randomisées. C'est la première fois que je me lance là-dedans, mais ça prend du temps <laughs> pour poursuivre cette euh, discussion. Merci pour un travail de suite, peut-être. Je me retourne vers les rapporteurs. Un petit mot de conclusion très rapide, si vous souhaitez. Euh, non, mais là, les conclusions, enfin, on est, tout ça, il va falloir qu'on le, <laughs> qu le remouline hein, au regard de, de, de tas de questionnements qui ont été posés. Non, non, moi, je. Enfin, je, je, je vais pas, c'est trop, trop basse pour faire une conclusion simple. Y a pas, mais c'est très, très intéressant. Je crois qu'en en fait, le, le, on, on poursuit notre, notre recherche sur la, les bons moyens de régulation et la bonne hauteur de régulation. Antoine, c'est un peu ça quand même le, le fond de la question. Et, et là, on a beaucoup avancé le tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. <laughs> Bien, Madame Cagé, merci beaucoup de cette intervention. 10h3 on est pas mal hein. on n'est pas mal euh, en tout cas c'était effectivement très riche on a pu approfondir un certain nombre de sujets c'est évidemment toujours trop court mais c'est le principe des auditions hein. on se nourrit de différentes paroles la vôtre aura été très nourrissante ce matin et on n'hésitera pas à revenir vers vous à vous inviter également Début mars, je crois, euh, j'ai plus la date en tête. Euh, si, euh, le 13 mars, si vous le souhaitez, euh, à assister à la présentation. Euh, des... je, je risque d'être à la maternité, mais euh, si jamais je n'y suis pas encore, je serais ravi de venir. Eh bien, félicitations, d'une part, et, et, et d'autre part, euh, on, on est sur Internet. N'hésitez pas, mais <laughs> vous aurez autre chose à faire. Et puis, on prend note des différents sujets qui pourraient nous amener à vous demander à, de vous revoir sur d'autres sujets. Merci à vous.